Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Alors cette fois-ci, j'ai voulu chercher un petit peu plus loin quel genre de jeu je pourrais tester. Et ben j'ai décidé de tester celui-là, à savoir WWF WrestleMania 2000 sur Nintendo 64. Et je serai accompagné de... Bah vas-y, présentez-vous. Oh putain, Pauline, tu bugs. Hein. C'est toi, Pony Gaming 2.0. Voilà. Pablo 84, alias Tails Goal. Voilà. Bonsoir, monsieur Foucault, et bienvenue à WWF. Voilà, merci. Ouais, j'ai vu ta juste. Voilà. Dédicace à Christophe Adjus. Oh, les gueules qu'ils ont. Ouais. Voilà, oui, je sais. Grâce. Oui, je sais, les pixels sont un petit peu dégueulasses, mais bon, au moins, ils respectent bien les traits des catcheurs. Alors bon, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un vieux jeu de catch de tiré de la WWF, qui devient depuis la WWE. Voilà. Et cette fois-ci, on va, donc, on va pas perdre de temps. Recouvert de bisous. Voilà, bah oui, justement. Moi aussi, j'ai vu ça. Bah justement, on va vous le présenter. Bah justement, on va vous le présenter. Alors, le match qu'on va vous montrer, c'est le The Undertaker et contre Meat, alias Sean Stasiak, l'esclave sexuel qui est l'objet sexuel des nanas. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, là, ce que vous voyez. Bon, alors, ce jeu est très ancien puisqu'il date de la période fin 99, début 2000. À l'époque où le The Undertaker, enfin, le croque-mort en français était dark. Ah ouais, très dark. C'est l'heure du. C'était à l'époque où il était en mode Ministry of Darkness. Voilà, exactement, exactement. Bah, tu as trouvé le mot juste, Master. Ouais. Ouais. Oh là, c'est fois qu'il poil était badass. Il dirait une secte. Bah oui, c'est ça, une secte, ouais. Oui. Le ministère des ténèbres, c'était une secte, ouais. Voilà. Au limite, c'était aussi un club sataniste aussi, hein. Oui, ah, c'est pour ça que t'es fan de lui, maintenant. Voilà. Lui, ma partie, oui. Voilà. Bon, dommage qu'il n'y a pas Ardyn. Oh, oh non. C'est ce que moi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Ouais, mais il est dans le dos, c'est pas grave, il est dans mon jeu à moi, c'est voilà. Pas grave. Bon, voilà, la présentation de The Undertaker. Et maintenant, on va assister à la présentation de Meat, alias Sean Stasiak, l'esclave sexuel. Oui, il y a beaucoup de nanas. Eh ben justement, en voilà une. Hello to you. Oh putain, d'accord. Voilà. Venise Terry Runners. Eh ben, enchanté, Terry. Mais tu vois sur la meuf sa gueule, on dirait qu'il va coller une imprimante sur la gueule. Oui, ça on dirait une sous-barbie quoi. On dirait que les visages ont été faits sur Photoshop. Voilà, exactement. Non, moi j'aurais dit plutôt Paint. Justement, ah l'autre il était en train de lui planter les Allez, c'est parti. Bon. Tu sais, il faudrait que je vous montre une scène de WWE, mais à l'époque, ah bah il y avait une scène, c'était hyper, c'était des sous-entendus sexuels très très voilà, très très hard. Voilà. Bon, là, bon c'est un contre un, donc on va pas faire de. Ouais, donc là c'est un match normal. Voilà, yeah, voilà. Alors. Et en fait, ça marche comment le système de vie dans ce jeu en fait. Bah. Ouais. Bah, faut dire que c'est un jeu là, N64, hein, donc c'est un petit peu comme la PlayStation 1, il faut quasiment, mais littéralement, mais bien contrôler le personnage. Les contrôles sont un petit peu random, quoi. C'est bien, mais pas très suffisant, quoi. Ouais, c'est ouais. En effet, ça, puis en plus, c'est hyper pixelisé et tout. Donc, ouais, on comprend même pas le texte qu'il a écrit. Ouais. Il écrit Hello Lady, ou et pas Frank. Oui, ben non, mais c'est. Pouh, putain! Voilà! Oh, attention! Qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, j'ai cru qu'il a été. Il est foncé dessus! Donc, je rappelle, hein, lorsqu'on se retrouve à l'extérieur du ring, on est compté. Si on ne remonte pas à 10, on a perdu. Voilà, exactement. Polo tutu. Voilà! Polo tutu, n'importe quoi. Par contre, il faut faire gaffe, il est près des cordes. Oui! Il peut, ouais, il peut briser la prise, comme on dit. Voilà. Et, oh, le méchant coup de boule, là. Et
Merci Zidane. L'animation du public en fond. Ouais, mais, ah, mais le public a l'impression qu'il est... N'importe quoi, mais en même temps c'est 2000. Hein, donc, Ouais, en plus c'est vraiment du pixel moche, mais limite... Oh super, on le ralentit, oh. Ouh, que c'est beau ça. C'est ça, ouais. Ouais. Oui, alors désolé si les pixels sont vraiment dégueulasses, on est désolé. Hein. C'est vraiment un vieux jeu rétro qui date de la période fin 90, début 2000, quoi. Ouais, ouais. C'est les périodes de la 3D et des... Voilà, exactement. Voilà. Ça a commencé à être compté, ouais. Hein. Ouais, ouais, oh, vas-y. Voilà. Voilà. Oh, vas-y, chérie, continue. Non, non. Regarde comment je vais défoncer ton mec. Bon. Oh super, le Poki qui lui a pris, qui lui a mis. Oh là là là. Mais vous avez vu le kick là, la meuf au dernier plan, on dirait elle a un sac et sur le sac c'est imprimé sa gueule. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une sous Barbie, je vous l'ai dit. Ça y est, Undertaker fait du cheval. Voilà. Le cheval, c'est trop beau. Non, en fait, le cheval, c'est... Enfin, l'équestre, c'est... On peut dire qu'il va à l'Underken. L'Underken, elle est pas mal, celle-là. Attendez, c'était la WWF. Oui, Pauline, on en a marre. Il faut vraiment que tu démissionnes. Voilà. Ouais, mais l'autre, il s'est mangé, mais... Un spécial. Voilà. Ah oui. T'es un Thompson ou un Shockslam. Ouais, presque. Ça va qu'ils ont pas fait l'animation de la lampe qui sort. Voilà. Yeah. Oh, le marteau pion. Voilà. Marteau pion, ouais. Ouais. Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal à la tête. Ouais. Oui. Oh, j'ai mal. Vas-y, fais-moi un truc là, tu peux te défoncer. Alors, qu'est-ce... Ah, elle tombée. Attention, c'est tombé. Un, deux. Non, dégagement. Non. Et il n'y aura pas trois, mais simplement deux. Voilà. Purée, le pire, il avait sa tête entre les jambes. Voilà. Oula, il se tient la nuque. En fait, lorsqu'on enchaîne des petits coups, la jauge augmente, et lorsque la jauge est montée, complètement, on peut effectuer le coup spécial. Pour voilà, finir, en fait. Exactement. Je m'apprêtais à le mentionner, merci Master. Allez, on continue. Oh, coup de coude. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ça, petit? Pourquoi tes cœurs, ils marchent sur place? Je sais pas, je cherche pas. Oh, super, voilà le Shockslam! Attention, mesdames et messieurs! Oui, le Shockslam! Oh, il était beau, celui-là! Et on a assisté à nous retomber! Attention! 1, 2, et 3, c'est terminé! Et bah, bravo, bah, GG, mec! Victoire de The Undertaker! Voilà! Mais franchement, c'était une histoire, oh la meuf! Ah oui! Allez, on va se ralentir! Regardez comment il soulève! Il le soulève avec une simplicité remarquable! Et là, il le quasiment, mais il le plie en deux! Mais littéralement, mais! Oh là là là, mais GG! GG! Tu fais des moulouots après! Voilà! Voilà! Oh, c'était bien, franchement, c'était bien! On dirait qu'il fait la pute! Oh, mais c'est bon, c'est là! Quand il fait la soumission, tu t'as vu ça. C'est genre. Ah, ouais, je suis trop beau! Oh, putain! Mais ça faisait chier! Alors, je vous rappelle, t'as vu. L'autre, son caleçon, il est pixelisé, il est à moitié belge, on dirait il a une couille qui part à travers. Il a une couille qui dépasse. Oui, j'enregistre, je te signale, ma Pauline, j'enregistre. Oh, c'est pas mal. Bon, voilà. C'est pas ma faute, c'est le jeu, tu vois bien, regarde, c'est belge et rouge. En plus, pour info, Undertaker a gagné par tomber. En anglais, ça s'appelle pin. Voilà. Pinfall. Voilà. Donc, pin, mais ça veut pas. Mais pin, ça veut pas dire. Ah, je suis en train de me pignoler, je sais pas quoi. Non, non. Bon. Oh. Bon,
Bon, ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc WWF WrestleMania de l'Extreme 64. Oui, je le stream, là. Avec le slip pixelisé qui est pas bien pixelisé. Ouais. Merci, Pauline. On a regardé assez Ushuaïa. Ushuaïa, c'est le vin du shampoing. Non, c'est L'Oréal. Ah non, il utilise Schwarzkopf, lui. Voilà. Non, il utilise L'Oréal, on a vu la pub. Bon, ok, bon, j'espère que ce combat vous a plu. Donc, on vous rappelle les résultats. Donc, victoire de The Undertaker sur Meat, alias Shawn Stasiak, par pin, par KO, quoi. Et, par tomber, quoi. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si, mais comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Bye! Salut! Plus, et peut-être avec un service 3 pièces bien placé. Allez, au revoir, mesdames, messieurs! Voilà, Vince, avec l'argent que tu vas gagner, tu lui rachèteras un site. You will rest in peace.